Au départ, j'ai demandé à mon cousin d'écrire un scénario pour pouvoir réaliser une série qui parlerait de faits réels, de faits qui se sont passés chez nous en rapport avec la mafia. Incroyable! Mafia, par définition, en sicilien, cosa nostra. Ça veut dire notre cause. Ça, c'est très important. Et j'avais envie d'écrire le scénario dans cette optique-là, et surtout avec le sentiment que j'ai toujours eu. D'avoir envie d'inverser les choses, de changer le cours des choses, d'inverser la tendance plus simplement. Aujourd'hui, le monde vit une situation inédite et ça a beaucoup changé la façon de voir les choses. Aujourd'hui, on va à l'essentiel. Les personnages de la série sont face au même problème de la vie quotidienne que tout le monde. Ils décident d'inverser la tendance, de casser les règles établies qui, la plupart du temps, ont été fondées sur des complots. Pour faire simple et sans trop dévoiler le scénario de la série, je vous montre un exemple. On a tous été en galère et on a tous au moins une fois dans sa vie demandé de l'aide à une banque. La finance ne fait pas de sentiments, madame. 4 mois plus tôt, j'aurais acquiescé gentiment et je serais partie. Mais franchement, aujourd'hui, avec la situation qu'on est en train de vivre, ça vous donne pas envie d'agir plutôt? Une équipe, un portable, du liquide, un appel d'offres, tu négliges, c'est dans le coffre que tu finis. Quand il y a un coup, tu crées reverse, nous la tendance, on la reverse. Nous la tendance on la reverse, quand y'a un coup tu crées reverse. Nous la tendance on la reverse. Nous la tendance on la reverse. Aïe aïe aïe. Reverse, 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 aïe aïe aïe. Eh, 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 eh.